j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui, je suis pas chez moi. On est chez SM3 Classe à Caen, dans le Nord. Et je ne serai pas tout seul aujourd'hui. Je serai avec mon cher ami Germain qui, du coup, a pris un petit 830 pour changer. Ça va ou pas, mec? Bah ouais, let's go. Bien chaud, même s'il fait froid. Et il fait très froid. Mais c'est bon, ça c'est bon. Aujourd'hui, le concept, c'est quoi? On aura des miniatures cachées dissimulées dans le concessionnaire SM3 et on va devoir les retrouver. Première équipe, moi et Germain. Et la deuxième va arriver dans pas longtemps. Bon, vous les connaissez forcément. Ça va-t-il? Corentin de la chaîne Gricielle, tu vas bien, mec? Ça va, ça va. Et forcément. Fraîchement. On serre les mains alors qu'on s'est déjà vu ce matin. Mais toi, tu connais forcément le concessionnaire. J'avoue, il y a un petit avantage. On est par chez moi ici, impeccable. Les amis, je vous explique le concept en voix off et on se retrouve directement sur la table. Vous l'avez vu, il y aura deux équipes. La première équipe avec Marc et Gricielle et la deuxième, ça sera avec Germain et moi. Le concept est simple, au total, trois manches, donc deux dans le concessionnaire et la dernière dans la ferme de Marc. Là, t'es déjà le couteau. Un énorme merci à Classe et SM3 qui ont joué le jeu et qui nous ont fourni toutes les miniatures. Vous aurez un concours à la fin de la vidéo et avec une petite surprise pour Marc. La première manche se déroulera dans le magasin du concessionnaire. Au total, 4 miniatures à trouver en 5 minutes. Attention, dès qu'une miniature est trouvée, elle devrait être amenée sur la table qui se situe en extérieur. Hugo et Théo ont caché les 4 miniatures dans le magasin. Nous avons 5 minutes pour les retrouver. S'il en reste à la fin du chrono, un nouveau temps sera attribué avec un indice sur la zone à rechercher. Bonne chance à tous! Je suis dans le seigneur, je me reconvertis. 1, 2, 3. Ouais, tu dis, vas-y, avant. Vas-y, vas-y, vas-y. Putain, mais Marc, il va trop vite. Vas-y, vas-y. Ah, il nous a ouvert la porte. Il nous a ouvert la porte. Oh, c'est quoi ça? Attends, gros, on peut ouvrir ça ou pas, gros? Non, mais on peut. Tu penses qu'ils ont. Mais non, il n'y a pas là, c'est sûr. Vérification, je suis désolé. Non, mais pas. Je suis la douane. Vous avez un port d'armes pour ça, monsieur? Merde, merde, c'est pour le sujet. Oh, mais ça ressemble à quoi les papiers? C'est vert, c'est empaqueté. Ah, par contre, oui, il y a un truc à chercher en fait. Non, passe pas. Pourquoi? Ah oui, d'accord, tu m'empêches. Je pensais qu'il y avait un vrai truc, il n'y avait pas le droit de passer. J'étais en mode, ok, je fais quoi? Attends, faut être stratégique, gros. En fait, on court, on trouve pas. Gros, là, il y a des trucs en dessous, c'est sûr, ils ont mis là. Non, il n'y en a pas. Parce que là, on court pour rien, ça sert à rien. Ça sert à rien de courir. C'est le long de la vitrine, sous le sapin. Bah, c'est à mon avis, c'est des vrais sous le sapin. Non, c'est vrai, ils sont tous légers. Mais gros, comment on fait? Il y a que 4 miniatures dans 50 mètres carrés. Faut pas courir. Attends, mais gros, 5 minutes, ça va jamais le faire en fait. Ça, on ramène à la maison, ni vu ni connu. Non, ouais, c'est bon, je repose. C'est pas moi! C'est pas. N'appelez-vous. J'ai pas touché, ouais. Mais gros. Ah là, la flèche, j'en ai deux. Let's go. Oui. Prends-le. Première miniature trouvée. Première miniature. Le truc, gros. Merde, ils ont déjà une miniature. Ouais. Par contre. Merde. Let's go. Oh putain. Vas-y. Merde. Je me suis couru à part. Mais t'as trouvé une miniature. Là, on l'ouvre ou pas? Non, on l'ouvre pas. Ouvrira. Vas-y, go. Je pense qu'ils en ont une. C'est vrai, un petit peu d'argent. Ils en ont une, tu penses? En vrai, faut qu'on soulève des. Est-ce que faut qu'on soulève des trucs? Ouais, il y en a un. Non, ça, c'est... elles sont fermées, ça rentre. Putain. C'est pas con de regarder les servantes. Germain, tu penses. Faut que tu m'aides. Je pense au comptoir, gros. Mec, c'est pas possible, il y en a 4. Et dis-toi que là, il y a une petite surface. Comment ça va faire dans le parc matériel? Galérie, hein. On va jamais les trouver, frérot. J'avoue que. Je suis trop excité et on n'arrive pas à se focus. Faut prendre son temps. Trop de la poubelle, peut-être. Ah, la poubelle. Non. Là, j'en ai une. Let's go, baby. Ouais, y'en a une. J'en ai une. Ah, y'en a une? C'est vrai? Oh, l'enfant. Sur la porte. Hop là. Let's go. Germain, faut qu'on soit stratégique. On épluche tous les rayons, c'est tout. Il reste 2 minutes, mais mec. Non, mais tu veux pas mettre chrono illimité? Non, c'est 3 minutes, gros. C'est pour le coup. Non, mais comment ça se fait? Ils l'ont pas caché dans un endroit incongru. Non, pas là-dedans. Oh non, mais gros, c'est trop dur. Comment c'est possible? Ils ont pas rien caché là alors. Là, j'ai trouvé, gros. Mais. Ah, le bâtard. Désolé. Germain, attrape-la. Qu'on renverse pas le magasin. Je sais pas qui a emballé ça, mais c'est emballé comme un chien. Hein? Non, je rigole. Ils sont partis poser la miniature, sauf qu'ils vont se dire oh bah il en manque une sur notre table. Par contre, attends, j'y surveille. C'est gros bâtard. Ouais, mais. Allô, notre mini, hein? Et là, ils sont en train de se dire ils sont en train de aller où ma miniature? Vous avez fait chourer. Ils ont pris notre miniature? Ils ont fait une dinguerie, notre miniature, elle est plus. C'est fini. Ah merde. Bon, les amis, chrono terminé, mais on n'a pas fini de trouver la miniature du coup. Tu remets 2 minutes. 2 minutes, ok. Et c'est dans le secteur nord.
Ok, au fond. Vas-y, go. Et attends, ça se trouve, je devais vraiment regarder dans son froc, ça se trouve, mec. Touché rectal, monsieur, est-ce que vous avez de la drogue dans le cul? Qu'est-ce que tu fais, toi? Excuse-moi, mec. Mec, c'est trop dur. Gros, ça y est, ça m'a énervé. Fin de tournage pour moi. Ça y est, c'est fini. Peut-être, toi, parfois, y'a pas besoin de t'exciter. Tu te poses comme ça et t'observes. T'imagines, bah, il est t'imagines, c'est dedans. Ouvre, ouvre, ouvre. Vas-y, ouvre. Arrête. Oh, elle est là. Ah, bâtard. Ah non, mais gros, arrête. Nous a volé la miniature. Non, viens, on la partage. J'ai mal au cœur. Ah, je vous la donne. Non, j'ai pas envie de voler. Allez, c'est toi qui as eu l'idée du machin. C'est bon. C'est toi qui as ouvert, c'est toi qui as eu l'idée. Moi, j'ai voulu faire le petit con. Allez, je suis pas un petit con. Bon, allez, le point est pour moi. Bon, ben, on revient sur la table. Let's go. Bon, les gars. Ouais. On voit qui a gagné. Bon, on s'est chié, vous avez caché une miniature sous ma fâcheuse là. Oh, c'est pas grave. Bon, par contre, les gros, tu l'as carrément ouvert. Bah, en fait, j'ai culpabilisé parce que je me suis dit c'était débile, ça sert à rien. J'ai fait le petit con à avoir de la prendre, du coup, je te la laisse. C'est surtout, j'ai vu que c'était un petit épandeur comme ça, je vais aller, c'est bon. Bon, on va l'ouvrir. Du coup, bah, 3 à 1. Bah, vous nous avez fait fusiller, c'est le cas de le dire. T'inquiète, on va faire. On ouvre. Désolé ceux qui ont emballé, hein. D'Angreville. Vous verrez, il y a de tout. Il y a des petites, des grosses. Ça, c'est y a quoi, tout. Du coup, c'est... Des petites, des grosses. Je suis trop. Moi, le problème, c'est que je suis trop branché. Il parle et tout, je m'en bats les couilles, je vais parler par-dessus. Eh là 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 là. Bref, voilà, petite Mia. Est-ce qu'on l'ouvre vraiment ou pas? Bah, là, comme on voit, c'est bon. Mais par exemple, les batteuses, si on voit pas, tu vois, s'il y a pas de papier filtre là, comme ça. Casse-la, casse-la. À nous. Tiens, je te laisse l'honneur. Allez. Alors, est-ce que t'es caché? Je déteste les personnes à Noël qui là. Non, non, je suis le mec qui déchire. La personne qui fait attends, non, mais faut pas déchirer le papier pour l'an prochain. Déballe-le, quoi. T'es pressé? C'est un emballage particulier. Non, c'est un truc classe. Alors là, il y a une anecdote là-dessus, je suis sûr. Ça, c'est l'ancien logo classe, les amis. C'est vrai? Ancien logo classe. N'importe quoi. Ah non, pas du tout. Ça ressemblait. Non, mais le premier logo classe, en fait, c'est un noueur de Rune Valeur. De presse. Ah ouais. Oh, c'est un Deewulf. Un quoi? Un Deewulf. C'est quoi? C'est quoi un Deewulf? Mais c'est une presse, non? Ah, monte là. C'est une planteuse. Une planteuse. Heureusement qu'il y a Samuel de chez Classe qui est là pour nous dire ce qu'on ouvre. On est agriculteur. Vas-y, ouvre. Est-ce qu'on ouvre? Il y a des détails, mon pote. C'est ouf. J'ose pas. Tu sais, quand je vois tout bien emballé, j'ose pas. Là, ok, incroyable. Bon, ben parfait. Ben, vous la gardez à votre côté. Comment on a la plus belle? Akrapovic. Akrapovic. Allez, Jarma. Prochaine Minia. Le mec, c'est un gosse à Noël. Oh, elle aime bien. Il est en train de tout péter. Oh, elle aime bien. Petite charrue, du coup. Non, bah non, peut-être pas petite, du coup. Parce que c'est 1, 2, 3, 7 corps. C'est le max en portée. Tu mets. Tu... Parce que là, c'est une portée. 7 corps. Non, c'est une portée ou c'est une semi, je pense. Allez, allez, la roue. Et il faut combien de chevaux pour tirer ça? Faut au moins 200. 100. Ouais, 100 chevaux. En plus, je te prenais pas les deux. Bon, voilà, petite miniature, Lemken. Bah ouais, c'était plaisir. Qui ont joué le jeu pour les miniatures, c'était trop plaisir. Dernière miniature qui nous a permis de gagner, du coup. Oh, c'est con. Oh, mais c'est trop con. Pourquoi c'est con? Bah, parce que c'est lui qui aime classe. Ah, bah non, on aime tous classe. Du coup, c'est un combien? Comme celui derrière. Un 960. Là, c'est un 30. Là, c'est un 930. On a le petit, on a le gros derrière. Édition limitée, 1000 pièces. Tiens-moi le bout. Non, mais. Je veux. Alors, il est accroché. Ouais, il est propre. Oh, il est propre. Regardez-moi ça. Relevage. Il y a le 3 points qui pendent. Ah ouais, c'est bien foutu, hein, c'est bien fait. Hein. Moi j'avais les marques, tu sais, t'avais la marque CQ qui était plus rustique, ouais, plus costaud. C'est bien pour jouer. Ouais, ça. Bah quand j'étais gamin, tu vois, heureusement qu'on m'achetait du CQ parce que ça doit coûter bien plus cher. Et ça, tu le pètes en 2 secondes quand t'as 2 ans. Et ça, du coup, c'est Viking, je crois, non? Ouais, avec. Parfait. On passe à la manche suivante là. Et on va attaquer la manche suivante en extérieur, du coup, cette fois-ci. Allez, on attaque la deuxième manche avec pour l'instant 1 point pour mon équipe et 0 pour l'équipe de Marc. La deuxième manche se passe sur le parc matériel, ce n'est pas 4 mais 8 miniatures qu'il va falloir trouver en 10 minutes. Théo et Hugo les ont cachées, j'espère que chez vous vous essayez aussi de les retrouver. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! 3, 2, 1, go! Allez, Germain, go! Les connaissants, ils vont avoir choisi du matos un peu plus iconique. Gros, dans la caisse à outils du plateau, gros! Dans la caisse à outils? On voit que elle quand on arrive sur le parc, c'est sûr. C'est sûr, il y a quelque chose dedans. Il faut bien regarder sur les châssis. Ça, c'est le truc. Je peux passer à côté, dire que finalement, il n'y a rien dedans. Et au final, oui, si, il y avait quelque chose, tu vois. Gros. Ah, c'est là. Attends, il n'y a pas là. Ah, il y a une caisse là, vas-y. Oh, il y en a. Bah, tu vois, je t'avais dit, gros. Let's go, let's go. L'échelle, elle est spacieuse. Hein. Ah, c'est ouvert. Ah oui, si c'est ouvert, c'est que c'est dedans. Ah oui, c'est bon. C'est bon? Ouais, tu vois, c'était la strat. Ah, c'était la strat de Zana. C'était sûr, il y avait quelque chose. On a trouvé une miniature. Et là, il met ça en sueur, mon pote. On descend par avant. Allez, on court. Vas-y, dans la cabine, regarde. Vas-y, monte. Vas-y, je regarde. Y'a pas là, sous le siège, gros. Y'a pas des. Non, y'a rien.
Dans la glacière? Il n'y a pas une glacière à droite? Non, mais il y aurait une caméra. Siège passager, il n'y a pas de glacière? Il n'y a rien. Ah, eux aussi, ils en ont déjà une? Mais non, ils en ont déjà une, les bâtards. Comment ils ont fait pour la ramener aussitôt? Attends, ils sont en train de faire les cabines un par un. Allez, premier tracteur de fait. Là, il n'y a rien. Viens, on change en presse, ça prend trop de temps les tracteurs. Viens, on va dans la presse, gros. Vous avez trouvé une miniature? Ouais, vous aussi déjà? Oui. Putain, pourtant, on a été rapide, je trouve. Attends, pause. Mais pause! Je suis en pause! Il prend toutes nos idées, lui! Par contre, pour aller la chercher, mon pote, attends, tiens la. Tu tiens toutes les cames, mon pote! Non, mais dans les bâches là, sous les bâches, c'est obligé, vas-y, cherche tout. Gros, dans les bâches, y'a rien, y'en a pas! Y'a pas là! L'autre là-bas! Y'a rien! Dans l'autre! Mais ils l'ont passé comment, les bâtards? Tourne là! Oh putain, faut pas que je l'abîme! Alors là, on a dû choper une batteuse ou une ensileuse, mon pote! Let's go! Dans le pick-up! Non? Là, gros! Là-dedans, gros! Dans l'autre sens? Oh non, il n'y en a pas! Putain, ça c'est chiant de devoir ramener à chaque fois! En 10 minutes, ça le fera jamais, hein! Et ils ont dû penser à des trucs incongrus, tu sais! Ah, il n'y en a pas! Sous les bâches de protection? Qu'elle soit visible quand même. L'automotrice, il y a moyen. Hein. Je pense, ouais. Il y en a quand même 8, il y en a eu que 3 de trouver, donc. Dans la caisse à outils de la barre de coupe. Ah, peut-être. Là. Ah ouais. Oh, regarde. On dirait qu'elle est mal fermée. S'il y en a une, mec. Punaise, mais ils savent pas planquer les minias ou quoi, fait chier. Sur les convoyeurs, ils ont pas fait les convoyeurs. La sileuse, il y a rien dedans. Ah, sous les faucheuses, gros. Sous les bâches, encore. Sous la bâche. Vas-y, ramène, go. Let's go! Ils ont dit jusqu'à la coupe, donc à la coupe, il peut y en avoir. À moins qu'ils avaient déjà trouvé celle à la coupe. Mais gros, mais... C'est parti! Regarde tout ce qu'ils ont déjà! Bon, égalité. Bah, deux, vas-y, go. Égalité. Je pense faut retourner vers le milieu, là, aux faucheuses et tout. Putain. Non. Non, il n'y en a pas. Germain! T'es où? J'en trouve pas! Mais il y en a! Viens, je sais où il y en a! Ah merde! Est-ce qu'il y en avait déjà une là-dedans qu'ils ont trouvé? Dans le plateau? Dans le plateau, ils l'ont fait! Dans le bol? Là, gros! Ah ouais, peut-être là! On peut pas ouvrir là! Ah, tu peux pas ici! Ah, c'est hydraulique! Ils ont déjà essayé, non? Ah, oh, mais bah, voilà, je t'avais dit, gros! Let's go! Pour l'instant, on a un point plus, je crois, tu vois. Ah, ils en ont une cinquième! Elle était où? Elle était. Dans la mélangeuse! Mais gros, j'ai regardé la cabine! Mais je suis trop con! On est passé devant la mélangeuse! Il a regardé la cabine, il a tout pas vu! Tout de suite, un plan de marque à côté la minia! Donc ils ont caché dans plusieurs cabines de tracteurs, alors ça veut dire. Putain, je suis passé devant la cabine de la mélangeuse, je suis trop con sa mère! Je suis vraiment débile! Je sers à rien de toute façon! Et j'arrête ce tournage, ça y est, j'en ai marre! Je crois pas qu'il y a dans les cabines! Alors attends, oh, il est magnifique le tracteur! T'as pas une glacière là-dedans, moi? Aïe, ma tête! T'as pas une glacière là-dedans? Non, mais d'abord. Bon là ça se verrait s'il y avait une miniature là-dedans. Et on va les faire un par un, de toute façon on a le temps. Putain c'est beau, ça sent bon. Ah j'adore l'odeur du neuf comme ça. J'adore. Cabine ou batteuse? Parce que Marc a trouvé une dans les grilles. Et tu penses qu'il y en a en haut des batteuses? Non mais quand on voyait tout c'est faisable. Ah ça sent tellement bon. Ah l'odeur ça m'a matrixé, c'est une drogue. Eh hey, c'est notre zone ici. Vous en trouvez pas? Bah non. Moi c'est dur hein. Bah gros faut remonter. Moi je vais faire chaque cabine parce que là c'est pas possible. Il reste 3 miniatures, elles sont forcément cachées quelque part. Et dans les batteuses? Toutes les batteuses vous avez fait? J'abandonne. Ça y est c'est fini. Bonne nuit. Il y en a forcément au niveau des convoyeurs. Dans les cabines, il n'y en a pas. Comme l'après-midi, après manger, en général, c'est point mort et dodo dans le tracteur. Mais s'il a dit que ça va jusqu'à la barre de coupe, c'est oui. Que c'est obligé, on a une par là, gros. Ouais, il a dit que c'est... Regarde, ça allait jusqu'à la barre de coupe, normalement. Bon. Merde. On peut pas perdre. Et on a perdu la première manche en plus. Bah, de toute façon, on a perdu là. Le mec ultra motivé. Qu'est-ce que tu penses d'un tracteur classe? Bah, ça sent bon. Ah non, c'est bon, j'abandonne. Ça y est. Le mec, il change d'émotion toutes les deux secondes. Attends, je regarde si j'en vois. Gros, j'en vois pas. Maintenant, il faut que je le re-range ça. C'est fini? Germain, c'est fini? C'est fini, je crois. Ah, fini. Bon les amis, on se retrouve ici, 3 miniatures pour nous, 2 pour vous. Oui. On est la plus grosse. Mais elle compte quand même pour une. Premier indice, travail du sol et semi. Voilà. Le deuxième indice, animal. Maintenant que les indices sont donnés, on a 5 minutes pour les retrouver. Bon bah let's go. Vas-y. Animal. Marc, et cours les dieux. Dans tous les cas, pour l'instant, on a gagné. Derrière peut-être là. Mais je sais pas. Et là, il y en a pas là. Ah, dans la trémie? Non, c'est pas, je pense pas qu'elle s'ouvre. Mais si, bah, essaye, non? Tu penses qu'ils auraient qu'à faire ce point-là?
Ah non mais tu fais pas. Ouais, je pense à mon avis si c'est aussi compliqué. Mais animal. C'est ça animal. Dans le bol, tu peux pas regarder dans le bol. Attends, je vais re-regarder mais. Non mais à l'intérieur c'est impossible. Et dans le bol, tu peux pas monter. Dans le bol, mais en vrai. Attends, ça s'ouvre pas ça. En gros, ça aurait été trop tard. Non. Ah, j'espérais. Quand j'ai vu que ça se levait, je me suis dit à tous les coups. Par contre, je vois le monosème là-bas. À tous les coups, c'est dans les bacs. Non. Non. Non, il n'a pas là. Oh, attends, gros. Oh, gros. Tu l'as trouvé? Gros, si c'est là, ça me tue, gros. C'est là, mec. Oh non, mais t'es vraiment acquis. Oh, c'est la batterie. Viens, on bouge, ça va être là-bas, ça doit être là-bas. Je pense que c'est là. Mais animal, c'est quoi animal? Vous en avez trouvé? Ils ont pas mis dans la tête. Là. Elle est sous les yeux depuis le début. Hein. Non mais franchement, oh on se jette pas. C'est sûr qu'on est passé devant 1500 miniatures depuis le début. Vas-y, viens par là-bas. Quoi? C'est pas une machine qu'on trouve sur l'exploitation agricole. C'est une machine qu'on ne retrouve pas sur l'exploitation agricole. Bah. Animal. Et l'autre travail du sol. Mais c'est. Mais là-bas, c'est obligé qu'il y en a une. Il y en a pas. Il n'y en avait pas là-bas. Mais on n'en a pas trouvé. Et c'est obligé qu'il y en a une pourtant. Bah là, on n'en a pas trouvé. C'est pas normal qu'il n'y en ait pas. Donc. Il en reste deux. Ils ont dit élevage. Élevage. Bah, élevage, c'est soit l'automotrice, mais ils ont déjà trouvé une là. Lanceuse, gros, lanceuse. Eh. Lanceuse en vrai. Jaguar. Animal. Jaguar. Monte dans la jaguar peut-être, il y en a une. Dans la jaguar. Dans les capots, non? On n'a rien trouvé autolancileuse. Si, c'est ça, c'est sûr. Tu penses? Viens, on retourne sur la jaguar. Si, ah. C'est sûr. Et les capots, est-ce qu'ils s'ouvrent? Non. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas ici. Non, il n'y en a pas. Putain de porte! Vous avez rien trouvé. Il est où, Marc? Il n'y en avait pas avec eux, vas-y, casse-toi. Il a regardé, Bastien, la cabine de lanceileuse, il n'y avait rien. Mais moi j'aurais dit, ce bordel là, personne l'a chez lui. Et la mélangeuse, pareil, pas tout le monde a ça. Mais gros, là en plus, ça va être encore la fin. Là. Bah là, ça va être la fin, on va pas trouver. C'est trop dur. J'ai regardé partout là, lanceuse. J'ai grimpé sur le toit. C'est aberrant. La cabine, ouais, non? Ah, regarde. Ça se rend compte. Ouais. Let's go, lanceuse. Ah ouais, la dinguerie, hein. Ouah, c'est trop dur. Pile poil au timer. Non! Ils l'ont trouvé? Bon, alors, les gars, vous avez trouvé. Attends, 1, 2, 3, 4. Et gros, 3, 4. Là, en fait, tu vas dire ouais, il reste une miniature, il y a un timer, etc. Ils vont nous dire l'endroit restreint. Pas besoin, je sais où est l'endroit restreint. Gros, c'est 900, c'est sûr. Je sais pas. Vous donnez un dernier indice, il n'y a pas de temps. C'est très restreint, il reste qu'une miniature. Ouais. Et attends. Le mot secret, c'est caillou blanc. Quoi? Du blanc. Gros, je vais péter un plomb. Gros, y a pas dans la jante ou un truc comme ça, gros. Va dessous le tracteur, gros, c'est sous le tracteur. Vas-y, coule-toi dessous, gros, coule-toi dessous. Est-ce qu'on est monté dedans? Personne est monté dedans? Bah, si, je suis monté dedans, moi. Y en a pas, gros. Non, y a rien. Gros, je vais péter un plomb. Mais gros, j'y arriverai pas. Trouvé. Ah oui! Let's go! Un trou de disque, bien joué! Let's go! Bien joué. On est passé 15 fois devant! Marc, comment t'es partout! Bon bah les gars, bah du coup égalité cette fois-ci. Manche précédente on a gagné, mais donc, du coup on a juste un point de plus. Mais il y a encore deux manches à faire. Mec, j'ai chaud. Ouais, il fait chaud. C'est vrai que t'as un beau pull. T'as 15 couches toi là, il fait que ça depuis tout à l'heure. Ah oui, non mais j'avais trop froid ce matin. Du coup les gars, vous avez trouvé une grosse. Et t'es où celle-là? Dans Square de batteuse. Là on va commencer par celle que vous voulez. Je suis chaud, la grande. Il y a pas de suspense. Ah bah ils veulent commencer par la grosse. C'est une batteuse. Oh la dingue. Toi tu l'avais eu en plus, non? C'est laquelle que t'as chez toi? C'est une 8008 en 13 mètres. Elle est... 8800, et toi c'est combien? 8800. Bah c'est la tienne au final, non? Bah moi j'ai 5003. Non mais je veux dire que tu t'avais filé. Ouais, je crois à peu près. Là tu me délicates. Samuel, il a dit tu l'ouvres délicatement. Il y a certaines miniatures, dont celle-là, qui doivent être remis en rayon. Ouais. Et Samuel qui gère un peu tout, il me regarde avec un regard noir. Le premier que tu vas la récupérer, mais. C'est bon, non, mais elle est collector, tu peux la vendre plus cher. Il vous fera un rabais. Ah ouais, elle est en TT.
Alors juste ça. Ah ouais. Une anecdote ou pas? Les batteuses du coup sont fabriquées à Arzinkel en Allemagne. Ouais. Sur la même ligne de production, ils fabriquent les Trion et les Lexion. Okay. Donc faut savoir que tu peux passer d'une petite Trion 530 à une grosse Lexion 8008 d'un coup comme ça entre... Il n'y a pas de transition. Ouais, c'est la même chaîne de montage, t'as tout quoi. J'avoue, ça c'est la qualité. Hein. Et, avec la Trémie qui se plie et tout, aussi. Ça, je pense que ça vaut 250, non? 200 230, ouais. Ah, ça coûte super cher, mais... C'est pas des jouets, c'est vraiment des trucs de collection. Ouais, c'est des collections. C'est vrai qu'on croit souvent que les miniatures c'est un peu un truc de gosse ou quoi. Alors oui, on en avait quand on était petit, mais comme la marque Sicou. Mais quand t'as des. Sicou, il dit. C'est Sicou, genre. Mais je pense. Tu veux une petite Sicou? De la miniature comme ça, tu vois, c'est vraiment de la miniature. Plus. Là, c'est un game d'adulte, quoi. T'achètes pas ça pour un enfant en général. C'est la cheminée, quoi. C'est des collectionneurs comme ça. La cheminée. Bah oui. Bon, allez à nous. Allez. Alors, oh, vrai, incroyable. Voilà, Ben. On en voit rarement des Ben comme ça. C'est un épandeur et Ben. Ouais, je crois que t'as le. C'est un Ouais, en fait, tu peux la mettre en Ben normal parce qu'elle a fond poussant, ou sinon, tu peux en fait mettre un épandeur. Un tablier d'épandage derrière. Oh là, avec la table d'épandage, ça a de la gueule. Elle a de la gueule, hein. Bon, bah, franchement, propre. C'est rare qu'on voit des. Je le déteste. C'est rare qu'on voit des miniatures comme ça, mais elle est belle. Vas-y, ensuite. Oh, l'ensileuse. Ça c'est l'élevage. On a eu la batteuse et l'ensileuse. Ça c'est les anciens modèles, ça. Ouais, elle est collector, ça là, je crois. Faut savoir que cette année c'est les 50 ans de la Jaguar. Ah, c'est vrai? Ça fait 50 ans que le Jaguar a été créé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, un petit Bertou. Mais celui-là, je crois que je l'avais eu dans une vidéo, non? Je t'ai pas vu. Si, ça me parle. Hein. Mais je crois que j'avais donné à Nico. Ouais, je crois que ça me parle. Non, franchement, propre. Bah, du coup, je crois que je le connais un petit peu, mais impressionnant quand tu dépiles les rampes, par contre, parce que ça fait vraiment de là. Attends, à la bonne écoute. C'est énorme. Ça va Vous l'avez fait tomber? Non. Mais gros, mais c'est pas bon. Mais c'est énorme. Non, mais la boîte, elle est trop petite par rapport au le polystyrène. Elle a pas rétréci. Ah, mais je sais. C'est dans l'autre. Pendant qu'on ouvre, ils étaient en train de galérer. Oh, c'est une charrue. C'est une charrue d'Andreville. Non. RW. Je connais pas du tout. Ah, c'est Grégoire Besson, ouais, pardon. C'est une Sicor, par contre, elle paraît petite. Tu vois, on dirait que c'est une charrue des chômeuses. Non, ça de la gueule, ça commence à s'empiler. Dans les commentaires, marquez tous merci classe parce qu'ils ont joué le jeu à fond. Même toutes les marques partenaires, ça fait trop plaisir. En parlant de classe. Et voilà. Une petite. Oh, ah, un 880. Version américaine. Ah, c'est une version américaine. C'est américain, d'accord. Ah oui, t'as les. Même. Les clignotants, c'est des big clignots. Bon, c'est le même en version. Regardez, niveau des clignotants, c'est des. Les fruits de gabarit là, ouais, c'est énorme. Les gabarits, ouais, qui sont obligatoires. Ah du même Ken. C'est le packaging, il est sympa. Ah, c'est celui qui est sur le 900 ou pas? C'est le même, je pense. C'est pas un 6 mètres, ça. C'est un 12. Non, c'est pas possible. Rubin 12. 8 mètres. Bon, bah, dernière miniature, je la fais. Bah ouais. Essaye de deviner la marque que c'est. C'est quoi cette marque? Ah oui, non, d'accord. Steketti. Ah, c'est une bineuse. Ah oui. C'est incroyable. Ça fait partie du même. Petite bineuse. Les bineuses, c'est hyper compliqué. Regarde les dents. Putain, on pourrait l'ouvrir. Il y a vraiment plein de détails. Ouais. Mais ouais. Des bineuses, c'est des miniatures. Quoi. Tracteurs, des bennes. Non, franchement, bien. Et niveau détails, c'est encore. Comme je dis, c'est très compliqué de faire des petites miniatures comme ça. Des petits outils, même des chômeurs, c'est tout petit. Ouais, ouais. Mais ouais. Attends, non, ça a la gueule. On n'a pas tout ouvert parce que sinon, on aurait passé une heure et demie. Manche numéro 1, on a gagné. Manche numéro 2, égalité. Donc pour l'instant on gagne, là on fait une petite pause, on va manger et on se retrouve juste après chez Marc pour cacher les miniatures et voir qui va gagner. Let's go. Let's go. Bon les amis, voyez où est-ce qu'on est? On est chez Marc, ça y est. Demande à... Qu'est-ce que tu fais comme connerie? Il fait toujours des conneries, là, c'est pas possible. Demande ta petite batteuse qui est démontée. J'ai tout désossé le week-end dernier, enfin la semaine dernière. Bref, vous verrez bien. Mais en tout cas, là, c'est pas le sujet. On va faire une seule et dernière manche pour savoir qui va gagner. Donc vous êtes prêts? Oui, à fond. Le chrono 10 minutes? Ok, bah tu me dis quand c'est bon. Vas-y, c'est bon. Allez, go! Suis-moi. Mais gros, c'est quoi leur strat là? Mais je sais pas où ils. Pourquoi ils partent par là-bas? Mais y'a pas de milieu là-bas? On est parti à l'autre bout. C'est une strat, je sais pas si elle est payante. On perd du temps là! Bon, on s'en fout. Mais vas-y, vas-y! Où est-ce qu'ils auraient pu cacher? Alors. Oh, les grands! Vas-y, gros! Vas-y, je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Ah, le tas! Ah, c'était sûr! Vas-y, tiens ça. Qu'est-ce qu'il fait avec le quad? Mais on s'en fout, gros, on s'en fout. Comme ça, pour ramener les miniatures, on est au poil. Alors, on n'a pas de casque, mais je dépasse pas les 15 km/h, les amis. Dans le godet? Dans le godet, tu penses? Non, y a pas. Entre les produits, entre, là. Ah ouais, entre les sacs dans le godet. Dedans, gros. Vas-y, tape-les. Vas-y. T'en as? Vas-y, je suis trop intelligent. Let's go. Merci, Germain. Ils sont là. Oh, putain.
pose le quad là. Dans les pendeurs en grès, il y a moyen en vrai. Non, pas dans les pendeurs en grès. Bon, en vrai, on est pas mal. Hein. On a le temps, on a le temps. Vas-y, cours là. Putain, c'est chaud ça. Coco, c'est chaud. Bah, attends, viens. Au niveau de la pelle. Hein. Au niveau de la pelle, c'est possible. Il y en a pas sur la faucheuse, sous la pelle. Non. T'es chez toi, la merde. Bah ouais, ouais, mais bon, ils peuvent avoir mis n'importe où, ces bâtards. Alors le smoir et tout, tu veux tenter? Vas-y, là, c'est obligé. Ils sont là-bas. C'est obligé, il y en a par là, gros. Mais Marc, il y a de l'avantage, il connaît très bien sa ferme, nous, on connaît pas tout. Où est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose? Oh, sur les ballots de paille, non, il y a pas, hein. Tu penses? Non, oh, non. De si j'escalade, je suis mort. Plateau de paille, là-bas. Non. Non, non, non. Je suis pas sûr où. Ah, il y en a une sur la pelleteuse, là, sur la pelleteuse. Attends, je vais la chercher. Go, 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 go. On remonte dans le quad, on remonte dans le quad. Let's go, baby. Ils se font rire avec leur quad. J'arrive. Oh, le bâtard. En vrai, il prend la vitesse. Je suis vraiment un petit bâtard. Hop, nous, ça va être là. Là, ça fuit, ça fuit. Marc, il fuit dans ton chargeur, là. Y'a quelque chose, là-bas? Dans la benne, peut-être. Dans la benne. Il va à fond. On n'a pas de casque, mais je dépasse pas les 15 km/h, les amis. Mais il est malade. Là, 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 gros, il y en a un. Oh, on a gagné, c'est obligé, là. Elle est grosse. Mec, merci. 3 miniatures pour nous. Vous avez trouvé 3? Oui. Vas-y, cours. Tiens, on prend le quad. Vas-y, vas-y, prends le quad. Ils ont regardé la cellule ou pas? Bah, on est baisés. Ils ont pas regardé la cellule. Non. Non, non, non. Vas-y, vas-y. J'y attends, je suis mort. Mais va pas là-haut. Tu penses? Je sais pas. Tu penses? Mais si, j'ai bien fait. J'ai bien fait d'aller au bout de la cellule. Comment t'as kiffé? Va pas là-haut. Bah si. Si, 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 si. Nickel. Bon bah, impeccable. Hein. Gros, ils en ont trouvé qu'une. En haut de la cellule. En haut de la cellule? Ouais. Désolé, je t'ai piqué le quad. Bah attends, mais il reste combien du coup? Deux. Vas-y, viens, viens, c'est par là, c'est obligé. On peut encore être à égalité. Oh, sous la bâche. Sous la bâche. Oh. Oui, oui, vas-y. Oui, dépasse. Ils en ont une. Vas-y, go, let's go. Oh, let's go. Bon, bah voilà, on a gagné. Hein. Est-ce que vous en avez trouvé une dans l'autre bâtiment? Bah non, mais il y en a 6 de trouver là. Il en reste une. Vas-y, vas-y. Ah, mais mec, j'ai du blé dans les pieds. Désolé, Marc, j'ai gagné la vidéo chez toi. Normalement, ça devrait être toi. À mon avis, s'ils en ont trouvé 3 ici, il y en a plus par ici. On a trouvé une cellule, une pelleteuse et une là. À mon avis, il en reste une dans ces bâtiments là, c'est sûr. Ouais, tous les quintos. T'es un bâtard, ça va semer dans sa cour. Si tu vois du blé qui pousse, c'est moi. Y'a rien. Ils ont fait la coupe à blé, je crois qu'ils ont trouvé. Il a pas grimpé dans la benne quand même. Quoique. Non. Il reste une miniature, on peut vraiment revenir à égalité si on la trouve avant eux. Une pendeur à fumier. J'ai regardé. Dans un rouleau de paille, non? Dans la paille, il sera pas déconnant par ici. Hein. Genre entre deux bottes, tu vois. Oh. Imagine, elle est par là, gros. Oh putain! Non, il y a rien. J'ai cru. Au niveau de la pelle, des chenilles. Ah! Le pneu, il est mangé. Ah, dans la pelle? Non, il n'y en a pas. Sous le godet, gros? De la pelle, peut-être? Sous le godet? Je sais pas. Non. Putain, on arrive au cul de la ferme. C'est possible par ici qu'ils ont pas été jusqu'au fond au cache de la merde. Bah peut-être qu'il cache, non. En vrai, je m'éloigne de trop là, je pense. Je pense pas quand même. Je fais le tour, je refais le tour par là. Il reste. Dans les bonheurs, ils ont regardé. Oh là où, là où, là où, je les vois qu'on a mis. Yes. Dingue, gros. Oh, yes. On les a défoncés, gros. Oh non. Oh non, les bâtards. Mais j'ai été là-bas en plus. Oh, trop bien. Ah, fallait la voir celle-là. Et en plus, j'y étais au tout début. C'est la première endroit que j'ai gardé. Et pourquoi t'as pas regardé? J'ai mal regardé, j'ai pas regardé vraiment. Oh bien non joué. Bien joué, vous avez fumé là, sur toutes les manches. Je suis content d'avoir gagné chez toi. Mec, tu sais que là, j'étais plus enclin à faire la compétition ici parce que je savais que là, ça jouait vraiment une miniature. Ouais. Let's go, on a posé la table. On va poser ça, on va ouvrir. Bon, les gars. On a gagné, on a gagné. Tu nous laisses commencer à ouvrir comme on en a beaucoup plus. Bah, on est perdants. Et gros, on rentre. Désolé, je t'ai foutu du blé partout. Ah, c'est vrai, il y a plein de blé qui sont arrivés là. J'ai vidé mes bottes. Tu veux nourrir les souris ou? Non, la dernière, on en est. Comment c'est? Vas-y, on prend ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Réplica gris, en vrai, bonne marque. Ah oui, c'est pas vrai. Un deuxième cul-levé. Oh putain.
Là, j'ai un couteau s'il faut. Non, oui, là, il a perdu tellement de temps à démarrer son quad. Pourquoi vous avez démarré le quad? Le quad, c'était pas la bonne technique. Après, il fallait qu'on monte à deux dessus sans se casser la gueule avec les canons. S'il était déjà dans le. Et en plus, là, t'as vu? J'ai le même. T'as vu? Il est trop bien. On dirait un mignon. Ah ouais. Et là, attends, on pourrait décider. Tout ça, ouais. Attends, coupe-le. J'ai envie de dépiler les rampes pour. Attends, sors-le là, tu m'as énervé là. Alors là, à tout moment, je coupe une rampe. Là, t'es déjà le couteau. Mais c'est trop. Non, mais justement, je comprends pourquoi tu y allais doucement. Mais c'est hyper fragile, ouais. Faut d'abord lever les rampes avant de déplier là. Ouais. Par contre, ça c'est bien, mais ça c'est le genre de minia, tu déplies trois fois, les vérins ils pètent. Ah ouais, par contre, t'as combien de mètres de rampe là? C'est pas du 36, c'est du 42. C'est arc-bouté comme ça ou pas? C'est pour décoller. Et par contre, ils ont posté jusqu'au bout les détails que tu puisses, comme dans la vraie vie, monter, baisser. Hein. Et ça me rappelle mon enfance. Maman. Allez, à vous le au suivant. Non, je vais être le plus gros. Et le Père Noël, vous avez. Ah, quoi que non, le petit, t'as raison. T'es sage, hein, parce que le Père Noël, il vous a pas donné beaucoup de cadeaux. Putain, c'est. Ah, c'est l'Emken. Et l'Emken, ils ont régalé, hein. Bon, bah voilà, allez, hop, c'est bon. Il a fait peur, Bon, un petit semoir, vous avez. Monograine. Monograine, ouais, carré. Tu casses mes. J'ai rien à dire de plus. Il y a des puristes, ils vont dire, ouais, vas-y, casse les couilles, les mecs, ils se connaissent rien et tout. Frérot, c'est bon, quitte la vidéo, pire. Le mec est gris de ouf. Mais vénère pourquoi? Oh mais c'est la logo classe. C'est le vieux classe. C'est une planteuse. L'autre c'était une planteuse et ça c'est une arracheuse. Un déterreur, non? Ah ouais, un déterreur. En fait vous connaissez rien. Bah ouais. Il est sur Snapchat, hein. On loue ou pas? Bah en vrai c'est. C'est trop là. On passe un matos mieux. Un peu de bon, merci beaucoup pour la mini, ça fait plaisir. On ouvre pas tout sinon ça prend trop de temps. Mais en tout cas merci beaucoup. Oh. Ah on a. On a une des meilleures métiers, je crois. C'est les tout nouveaux Xerion. Du coup on peut le sortir celui-là. Il sera à gagner celui-là, non? Et oui, du coup, bah oui, on vous le dit. Celui-là a gagné sur Insta. Du coup, oui, celui-là, on vous le fait gagner sur Insta. Il y aura un post sur mon compte avec SM3 Class en collaboration. Le résultat du concours, c'est le 25 décembre, les amis. Donc voilà, vous l'aurez directement sur Insta. Je me demande si la cabine, elle se tourne comme dans la vraie vie. Ah ouais. Vache. La bête. En vrai, il est magnifique. Ça y est, il y a le frein à main. Ah oui, les suspensions, c'est bien fait. Oh, regarde le câble dessous. Bah, c'est un câble que t'as rangé en dessous que tu peux dételer pour tirer un autre tracteur. Bah, apparemment, ouais. Du coup, voilà, celui-là, les amis, on vous le fait gagner sur Instagram. En plus, vous aurez de la rouille de l'atelier de Marc sur les chenilles. Ouais. Classe. Ça, pas du tout. Ah, 660. Hein. Ah, je crois savoir. J'ai cru entendre parler. Un 660. Incroyable. Tiens, bizarre. Bizarre. Il est quelle couleur? Vas-y. Mais je crois que c'est la meilleure que j'attends le plus. Oh, il est incroyable. Black Gucci. Bah, en gros. Ils ont d'être ça. C'est le moment de le dire ou quoi? Bah, tu peux l'annoncer, mais toi, tu l'as pas annoncé sur YouTube, toi. C'est. Bah, bon, go le dire maintenant. Donc, vous voyez cette miniature, un Arion 660 classe gris, ouais. Avec les autocollants brillants comme ça, c'est exactement le même que je vais avoir sur la ferme. Ça va être le nouveau tracteur. C'est exactement tout pareil, les amis. Il vous l'a spoil. Tout pour les caméras, on a changé la peinture. Et tu sais quoi? Bah, je te l'offre. C'est d'origine classe, ça, vraiment, je te l'offre vraiment. Non, jure. Vas-y, tu vas le garder. C'est d'origine classe, ça ou quoi? Ah, gros, je sais pas. C'est une couleur catalogue, ça ou... Alors, t'as quelques couleurs catalogue, ouais. Mais nous, on n'a pas fait par l'usine. Nous, en fait, on a commandé le tracteur vert et après, on démonte les capots et c'est envoyé chez un carrossier parce que c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Okay. Bah, d'ailleurs, il y était ce matin, vous l'avez peut-être vu. Il y était ce matin. En fait, il est arrivé chez le concessionnaire, c'est ce que je disais dans ma vidéo FAQ. Il est à poil parce que ça a été envoyé. Du coup, les capots ont été envoyés à la peinture. Du coup, ouais, tu repars avec. Ouais. Tu repars avec. Grosse attitude. Bah, tiens, t'as une masse aussi. Hein, ouais, c'est pas. Et tu peux ouvrir le capot et tout aussi. Ouais, putain. Ouais. Bon, bah, gros. Non, je rigole, c'est le mien. Non, je rigole, tu le redonnes. Ah bah. Une petite Grégoire Besson, hein. Comme le mien, moi j'ai une prise de force. Oh non. Regarde. Je m'en bats les couilles de vos miniatures maintenant. En black. L'ensemble, hein. Oh, tu me la donnes. Voilà. Mais je fais pas de labo ici. Hey, je m'en bats les couilles. Tu me la donnes. Ouais, je m'en peux. Maintenant, j'en ai plein à faire de ta vidéo. Oh, t'es vraiment un bâtard. Ah, mais non, c'est pas une cigu celui-là. Vas-y, attends, essaye de l'atteler. Ah, si, tu peux écarter un peu plus les raidisseurs, mais t'as pas de 3 points. Les réticeurs. Ouais, il a son langage à lui. Attends, t'appelles ça comment toi? Il est stable. Tu vois sur les côtés. Moi j'appelle ça des raidisseurs. Tu raidis le. Ah ouais, non, mais c'est marrant. Vous dites quoi? Dites en commentaire, vous dites quoi? Stabilisateur, raidisseur. Chandelle, stabilisateur. Vous savez de quoi on parle ou pas? Est-ce qu'il faut vous montrer? Attendez, je prends la GoPro vite fait. Frérot. Ça, donc... c'est un stab. Ça, c'est un stabilisateur. Ça, t'appelles ça un stab? Bah, dites-en en commentaire, vous dites quoi, hein? Moi je dis raidisseur. Vous voyez, c'est cette partie-là qui permet à régler la largeur du. De ton relevage, quoi. Du bras de relevage, ouais. Ils se sont pas foutus de notre gueule. 990. Franchement, classe, merci beaucoup. Hein. Par contre, c'est moi qui vais l'ouvrir parce que, voilà. Vas-y, ouvre. J'ai eu des mauvaises expériences par le passé.
Et faut savoir, anecdote, les chenilles, tout ce qui est TerraTrac chez Classe, que ça soit le Xerion ou les chenilles de bateau, enfin les TerraTrac, la gomme de pneu, c'est de la gomme qui vient de chez Camso. Et Camso, Camso, c'est en description pour pas. Et Camso, vous avez moins 10% sur la clé. Vous voulez vous voulez du technique ou pas dans les vidéos? Vas-y, vas-y, vas-y. Et bah Camso, c'est du Michelin. Ok, c'est donc voilà. Merci pour la Camso. Ah là là là. Pas Camso, c'est une filiale Michelin, si j'ai pas de bêtises. Il me l'a enlevé des mains parce qu'il avait peur que je me coupe. En même temps, t'étais comme ça quand même. T'es comme ça. Bah ouais, Wouah! Oh, t'as une bâche! Et les nouveaux becs, ils sont incroyables. Les becs, c'est trop stylé, sa mère. Elle est lourde! Oh, regarde les. Bah oui, c'est ça qui était lourd en fait. Il y a deux pots inox. Ah ouais. Ils ont de la minière de qualité de zinzin. Mon gars, rien que le pick-up, le poids. En TerraTrac comme ça, ça vla la gueule. J'ai entendu un crack, mon gars! Wouah! Vas-y, essaye, mais je sais pas, replier, c'est fragile quand même comme truc. Hein. Et on peut essayer de la replier sans tout péter? Vas-y, non, lui premier, et vas-y, l'autre deuxième pour voir. Non, avec les chevaux. Tu peux pas? Non, oui, un peu comme ça. Ouais. Et après, t'as la bâche, t'as les machins là, qui reviennent. C'est zinzin. Qui reviennent comme ça sur le côté, tu vois. Mais c'est vrai, et t'as vu tout, mais c'est tout est bien fait. Hein. Bon, bah les gars, merci beaucoup d'être venus dans cette vidéo. Bah, c'est vous qui êtes venus, c'est pas moi. Oui, parce que là, en l'occurrence. C'est quand même 6-7 heures de route. Hein. Mais non, en vrai, c'est cool d'avoir participé. Merci beaucoup à Classe, merci à tout le monde. Et bah, forcément, encore une fois, je vous redis, le Xerion est à gagner sur Instagram. Vous allez me suivre sur Insta. Avec la batteuse aussi. La batteuse. Avec la batteuse à faire gagner, oui, les deux sont à gagner. Il y aura donc la fin du concours, c'est le 25 décembre. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Marc, de Corentin, de Germain. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fera super plaisir. Petit pouce bleu. Bref, les amis, bonne journée, bonne soirée. À la prochaine, c'est Starview. Et tout le monde, allez, ciao, ciao, ciao. Et tout le monde, ça le tue.